Déjà, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que le cinéma. Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est une industrie? Est-ce que c'est un média? J'avoue que je n'ai pas tellement la réponse. Disons que moi, le cinéma, je dirais que d'abord, c'est peut-être pas une passion, mais c'est un passe-temps. Donc, déjà, passion, passe-temps. Un passe-temps, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme. Je veux dire que c'est un art qui montre que le temps passe et qui filme en quelque sorte des fantômes. Ces gens vivants qu'on a filmés, tout à l'heure vous me parliez de Mastroianni, ils vont rester vivants pour toute leur vie et en même temps on sait qu'ils sont morts. Donc c'est une espèce de paradoxe le cinéma parce que ça filme le vivant et ça nous fige sur ce qu'on appelait autrefois la pellicule. Maintenant on ne sait même plus comment s'appelle le support, il y en a tellement. Donc alors en plus c'est difficile de répondre à cette question par les temps qui courent car le cinéma est en train de connaître une mutation énorme qui est la mutation des nouvelles technologies. Je sais que n'importe qui, peut-être même moi, arrive à faire un film avec un téléphone portable, avec une caméra numérique pas chère, très, très légère, même avec je ne sais plus comment ça s'appelle, ces caméras qui servent à consommer sur le front. Si tout le monde peut faire son film, est-ce qu'il est besoin qu'il y ait encore de grands artistes qui fassent de grands films? Voilà. Donc, qu'est-ce que le cinéma? Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu à la question ou si j'ai tendance à faire comme Socrate. À une question, je pose d'autres questions. Donc, le cinéma interpelle. Parce que les frères Lumière ne lui donnaient absolument aucun avenir. Or, on sait que maintenant c'est devenu une des principales industries mondiales et qu'il se diversifie dans les séries. Donc, par exemple, Netflix qui réalise des séries mais qui a réalisé aussi des films, on l'a vu l'année dernière à Cannes avec les deux films qu'ils ont présentés. Voilà. Donc, une technique, ça c'est évident. Une industrie, ben ça c'est évident aussi. Un art, il y a de grands auteurs qui le prouvent, comme Tati, qu'on a vu là, qui est au Champeau en ce moment, Fellini, Bergman. Je suis devant l'affiche donc, de Imamura. Donc, oui, c'est un art magnifique, mais c'est aussi créateur de beaucoup de films. J'ai rien contre les films de série Z, hein, mais je dirais de films français, car les films français actuellement sont tous taillés dans le même moule. J'ai l'impression que les cahiers des charges sont les mêmes pour tous les cinéastes et on est en train de tuer le cinéma. Donc bientôt, vous ne pourrez plus poser la question qu'est-ce que le cinéma, parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y aura soit plus que de la télé, soit des séries, soit alors des films pour je ne sais même pas pour qui. Qui va voir ces films Alors, moi, je sais que quand j'étais petit, le dimanche après-midi, on allait au cinéma, soit avec ma mère, soit avec mes parents, soit avec des copains. Et on disait, ah, on a passé un bon moment. On avait vu La Grande Vadrouille, on avait vu, je ne sais pas quoi, Ben-Hur, en fait, tous ces films-là. C'était pour passer le temps, comme je disais au début de l'entretien. Mais je pense que le cinéma est quand même lié à la salle de cinéma. Fellini, c'était le Fulgore. On voit dans les films de Woody Allen cette espèce de mélancolie sur les grandes salles qu'il y avait à New York. Je pense aussi également à la grande époque des années 50-60 qu'on voit des fois au cinéma avec les drive-in. Vous me direz, les drive-in, c'était aussi un endroit où les gens mangeaient, buvaient dans leur voiture et voyaient à l'extérieur un film. Et ça avait quand même un côté magique. Et je trouve que maintenant, avec les multiplexes, comme on dit, il s'est perdu le côté magique du cinéma. Le cinéma n'est plus un temple. Fellini parlait du cinéma comme une matrice dans laquelle les gens se retrouvaient tous en communion avec cette phosphorescence sur les écrans qui montrent des fantômes. Or maintenant, quand vous allez dans une salle de cinéma de multiplex, hein, vous êtes avec des gens qui bouffent du popcorn, qui regardent leur téléphone portable, qui entrent, qui sortent, qui vont faire pipi, qui reviennent, qui discutent, qui papotent, qui se croient devant leur télé. Donc, on n'a plus le côté magique ou le côté temple qui faisait du cinéma un art sacré.